Salut à tous et bienvenue sur Chaos Gaming, c'est Yuman, on se retrouve pour notre 20e épisode sur Pokémon Let's Go Evoli en compagnie de Chaos. Salut Chaos. Hello tout le monde, bienvenue à tous sur la suite de ce jeu. Fait un petit moment qu'on n'a pas filmé et nous allons aller en quête de notre 5e badge. Voilà, exactement. Par contre, on est passé devant tous ces gens. Oui. Oui, c'est bon. Oui, oui, on a même battu les loups bars là-haut. Et les moches là. Ouais. On allait voir comme ça. Ah oui, on avait fait 50 fois le tour ici, je me rappelle. Voilà, et la coupe là. T'es allé sur le passage de, à gauche en coupe ici, non, ouais. Là, déjà, il y en a une qui regarde là-haut, je sais pas ce qu'elle fout. Elle là. J'ai trouvé un os. Une bénanana. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Dans le coin, il n'y a que des dresseurs super balèzes. C'est normal, après tout, c'est moi qui les ai formés. Tu veux te mesurer à moi pour devenir aussi forte? Oui. En garde! Céline, la coach de ce dan. Voyons voir ce que c'est. Coach! Un mashupper. Alors dans la team, elle vous a pas dit, hein, mais elle a enlevé. On a enlevé Fenin parce que c'est niveau 49 et que j'avais peur que du coup il ne m'obéisse plus. Donc du coup on l'a remplacé par Carapuce qui a évolué en Carapace quand j'ai parlé. Ouais, ouais, en deux combats je pense. Oui, oui, tellement oui. Il y avait un écart de niveau conséquent. Ouais, il a très compliqué de manger. Ça va être pas mal fun, niveau 40 ou niveau 41. Ouais. Ça va être pas mal fun, je crois, pouvoir aller à l'arène, c'est comme ça. Allez, cache-toi. Alors voilà. La prochaine arène que l'on doit affronter, c'est la type poison. Ouais, c'est ça, donc c'est autre poison qu'on va avoir besoin. Parce que je me rappelle bien, on avait Onyx jusqu'ici, et le PV était pas assez fort, du coup... C'est ça. Je vois pas les PV avec... Oui. Est-ce que tu veux que je la pousse un peu? Je veux bien. En attendant, je vais envoyer mon petit drap au feu. Ah, c'est beaucoup mieux. Donc, nous allons faire une petite cruelle. Voilà. On n'a pas beaucoup de points d'expérience. Ah, un Magmar. Lui, il peut t'en donner par contre. Il est pas mal en niveau expérience. Non, mais en fait, c'est ça qui est à dos. Il monte à Carabaf aussi. Il dit que niveau 17. Oui, du coup, il va pas rester dans l'équipe. Allez, mon tout petit légateur. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait là-haut, celui-là? Je ferais bien une petite cascade. Allez, cascade. L'ébullition, c'est de l'eau chaude, hein, donc ça va lui faire mal, mais l'eau chaude, vu qu'il a du chaud partout sur lui... Un éclat de l'eau bien froide, tu vois. Non seulement il aime pas l'eau, mais en plus ça va se les cailler. Voilà l'explication de KO. Oui, tout à fait. Tu me demandes ce que je préfère. Et une autre dresseuse, une, et tout ça grâce à moi. Moi j'adore former les gens en perdant. Quel tempérament de feu, j'ai une CP parfaite pour toi. Oh, point de feu. Oh, ça c'est bon. Et on a bien fait d'y aller. Ah ouais. Tu peux même brûler ton adversaire. Je me demande à qui je vais la prendre. À Carabaf? Ouais, oh, mais j'adore. 75 de puissance. Pour 100 de précision. De toute façon, ça peut pas être plus clair. Voilà, ce sera toujours mieux. Tu gagnes 35 de puissance. On
plus, je crois que lance-flamme, tu la prends pas avant le niveau 56. Hein, donc, oui, oui, il me semble que c'était là, c'est 52 ou 56, un truc comme ça. Donc, du coup, t'as le temps, donc c'est pas plus mal. Et je crois qu'il y avait. Ah oui, encore elle. Je sais me battre avec mes Pokémon. Parce que je me suis aperçu que me battre avec un caillou ou des bouts de bâton, ça marche pas grand coup. Ça, c'est un vrai coup, c'est pas ouf quand même, hein. Bip. Un sac de lait. Qu'est-ce que j'ai mangé? Oh bah. Et bon, on va le brûler, hein. Un petit feu follet là. Voilà. Et c'est parfait. En plus, ça brûle. Ah oui, non, ça fait que brûler. Ouais. Ça fait que brûler. J'allais dire, en plus, ça brûle systématiquement. Oui, c'est le principe de l'attaquer. C'est ça. On va tuer un petit feu. Non, ça va, c'était pas si nul que ça. Ah ouais, quand même. C'est pas mal, hein. Ah, j'aurais pas cru. Non, il est en gros niveau, je crois, non, il est bien monté. Bah, niveau 44, ouais. Et lui, il est 37, mais je pensais pas que ça serait aussi efficace, tu vois. C'est trop obscur. Je crois qu'il va mourir. Et puis, de toute façon, même si ça lui est laissé, il était vraiment pas efficace du tout, il est toujours très brillant, je pense. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Oiseau roi. Ah oui, on va demander à notre petit réflexion. Ok, niveau 37 en plus. 10 niveaux d'écart, ça devrait pas poser problème du tout. De toute façon, même avec le type, on en a. Voilà, on va aller s'étonner. J'étais trop impatiente. Eh oui, 740. Mais c'est clair que comparé à l'autre qui t'a donné 4000 boules, oui, plus une CT, mais on gagne surf. Et on a quand même bien fait d'aller là, hein. Là, on a cascade pour Léviator, ça sert pas à grand chose pour lui, mais c'était un autre Pokémon O ou un autre le type qui peut apprendre ça, ça peut être pas mal. Oui, c'est sûr. Et donc voici Parmani, donc on était déjà allé. On avait affronté, je crois, le premier dresseur de l'arène. Oui, et du coup, j'avais fait mon tour. Ouais, quand on a vu les niveaux qu'il y avait. Et là, on va y aller au culot. On va bien farmer. Et puis, on s'est pris un autre Pokémon sol avec des PV beaucoup plus haut. Oui. Aussi. Parce que de base, c'était pour ça. Hein. C'est un petit contre-temps, si on peut dire. Est-ce que tu vas reprendre Fenard avec toi ou tu vas laisser Carabas? Non, je vais prendre Mousse au cas où. Ah oui, c'est pas bête. Il est entraîné malgré tout. Et comme ça, si Ossature a un problème, on sait qu'on a Onyx en secours. Ce qui n'est pas négligeable. Ce n'est point bête. Et les deux sont niveau 41 en plus. Oui, les deux sont du même niveau. Mais Ossature a presque beaucoup plus de PV. Allez, on y va. Bon, t'es prêt? Je suis prêt à en découdre. Tes tirs pour te mettre à l'aise, sérieux? Bon, écoute. Il y a du boulot là, hein? Ah oui, ça va. Oui, avec les murs invisibles. On est allé à droite. Devant The Greatest Showman. Et là, t'as le public qui dit « Et pourquoi elle fait des tours comme ça, les cons ou quoi ?» La force ne fait pas tout. Je vais te montrer ce que c'est que de bonne stratégie. Je suis effrayée. Melvin veut se battre.
Rotenmord. Très bien, voyons voir. Allez, on va te faire un petit tour sur le ring. Et il fait abri, voilà, ça pète. Tu veux jouer au con? Eh bien, on va jouer. Chou! C'est bête! Oh non! Oui, il va être chiant, lui. Ouais. Ah, je l'ai eu quand même. Je l'ai eu quand même. Du moment que tu fais pas abri, non c'est bon. Ça passe. Nickel. Un coup critique en plus. C'est beau. Hop. C'est juste pour me dire, t'as vu, tu m'as mis dans la boîte, mais je suis trop fort. Dans un d'arnia, bah, c'est poison. C'est cohérent. On va le cramer, hein. Une sorte de statue immortelle. Qu'est-ce qu'il en voit ? On n'en voit pas beaucoup, hein. Allez, hors de ma vie. Oh ! Dis donc. Alors déjà tu vas me laisser faire mon dance slam. Voilà. Et deuxièmement, tu vas crever. Non mais. Ah mais tu peux te mettre en colère, hein. Là, bim. Alors bah, voyons voir. Voilà. Non mais oh. Ouais, je peux t'en donner une meilleure animation. Ouais, bah ça c'est un point quand même. Ouais, mais tu vois, j'aurais bien aimé que le point il soit en feu avant qu'il le touche. Mmh. Que quoi? J'aime bien parce que je passe du mec qui a la voix super grave, et puis quand il perd, et que quoi? Avant j'étais magicien, mais je veux devenir un ninja, alors j'ai rejoint cette arène. Ouais, c'est pour faire ta vie quoi. Ninja. Jordi veut se battre. Un Spectrum. C'est comme un poison, oui. Je sais pas. Il doit avoir une attaque poison, du coup il doit accepter. Ouais, peut-être. Ils se sont dit, oh, ok. Je pensais que ça allait puer le. Je pensais que ça allait puer le smogo. Ouais. Par contre ça pue la tapette, hein, les abris là, ça y va, hein. Ah il échoue. Ça échoue. Hein, à force de se faire. One shot. J'ai pas vu quoi, à quel niveau il était, mais. 40. Oh en plus c'est pas. Ouais, un trait. C'est fini pour moi. Ah bah oui. Là mon gars. Je vais continuer de rejongler. Je peux sortir d'ici. Ah, crois-tu pouvoir me battre? Voyez un peu ta technique. Mais on l'a pas battu il y a 2 secondes. On faisait pas Jordi. Mais non, mais non, c'est Tommy. Vous avez tous des noms de bébés. Il y en a 3 par contre. Je me demande ce que je vais faire sur lui. Allez, niveau 40. Ah, et dis donc, j'ai passé niveau 49, hein. Oh, le méchant, il était tout bas. Allez, vas-y. Si tu pouvais
pouvait tous les sortir histoire qu'on passe un en ce moment, mais tu vois, on va les supposer. On va y passer la nuit non plus, hein. Encore un spectrum. Il y a pas envie de diversifier un peu là. Un petit ectoplasma. Ouais, s'il te plaît quoi. On n'a pas vu encore. Ouais, c'est vrai. Et puis après on sort de là pour monter les pépés de nos attaques. T'as pas d'huile? Non mais c'est trop précieux l'huile, je peux pas te permettre. Ça, tu les gardes jusqu'à la vie, t'en as un, tu les gardes jusqu'à la vie. Moi, je fais toujours ça, mais c'est une garde. Ah ouais? Ah, c'est la vie, mais tu peux pas te faire mal. À la ligue, t'as rien pour soigner, donc c'est ou t'as de lui ou t'es prêt. T'es prêt. Voilà, Tommy. Ta technique m'a battu. Temps, la technique d'envoyer 3 spectres. Là. Il y a des cheveux, je sais pas. Koga fait partie d'une famille séculaire de ninja. Et toi, d'où viens-tu? Qui es-tu? Oh, moi, je suis juste une de Bourg-Palette. Avec un évolu qui ne sert à rien. Justine, ou Amélie, ou plein de trucs, je sais plus. Yuma. Il y a plein de noms différents, hein. Entre tout Sacha, il dit bien tout le monde s'appelle Sacha, mais du coup, il s'appelle pas comme ça. Sacha Ketchup. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce bizarre? Je pense à rien. Il aurait pu y avoir toxique. Non. Ouais, c'est vrai que c'est en deux temps. Eh ben non, pas de lance soleil. Tant pis. Dans la Pokéball. Il va exploser dans la Pokéball. Vas-y, on merde. Ah, ben voilà. Je me demandais quand est-ce qu'il y a à voir. Hein. Ça ne m'avait pas manqué, hein. Mais dans cet état, non, ça tue, non. Je vais essayer. C'est les coups bas qui vont... Ah ouais. Ils ont fait mal. Bon ben, faut que ça tourne un peu sur lui, hein. Oui, oui, oui. Plus fort aussi, enfin... Lance-flamme. Ouais, carrément. J'ai rien parié là-dessus pour un sport. Oh. Je ne veux pas vous faire de la peine. Il m'aime. Allez, allez mon grand. Oh putain, ça c'est trop génial. Oh, il m'aime. Oh, je suis trop heureux. Il m'aime. Tu es bien plus curieuse que je ne le pensais. Ouais, je sais. 4002 encore. Oh finesse, comment il a ré... Comment il a survécu. Donc comment on sort de là, là? Bah... en faisant le chemin inverse. Oui, c'est chiant. Attends, peut-être là-haut. Je crois pas. Ah si. Ah ouais. Non. Bah là, tu reviens... Merde. Tu l'as battu, lui? Non. Ah! Laissez-moi sortir! Je vais devenir un ninja en entraînant avec Maître Koga. C'est rien de mieux que des techniques de ninja pour gagner un combat. Oui, mais c'est ton verre, mon gars. Et je m'appelle Ninja. Ninja. Et non, Edgar. Edgar. Je pense ça va pas du tout. Edgar. Tu crois qu'il avait pas. Si c'était le cas, il les avait envoyés à tous les coups. C'est clair. Ouais, c'est pas prévu, ça. Arbok, un bon Raichu. C'est pas mal, ou un Raikou. Non, ouais, mais les deux sont niveau 47 et on les voit pas. Serpent contre serpent. Bon, moi c'est un gros serpent, ok. C'est un Léviathan. Il est un peu dopé, mais.
ça fait 50 épisodes jeudi, mais ils l'ont fait méga grand, hein, le Viator. C'est trop bien, on adore. Mais les proportions, il y en a qui sont tout petits par rapport à tout le reste. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Nidoqueen. Ouais, c'est clair. Petit. Ça a vraiment bizarre. Hein. En fait, je viens de me rendre compte que le Nidoqueen est aussi grand qu'un Minito. Non. Bah, dans le jeu, je parle. Ils ont fait méga grand, Minito, par rapport à ce qu'il pourrait être. Non, quoi, pourquoi? Je sais pas, mais c'est vraiment ça, Minito. Oh, ils sont vexés, hein. Regarde, au début de l'épisode, là, il y en avait trois à côté de toi, ils étaient méga grands, je trouvais. C'était peut-être un peu plus. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être que le Nidoqueen est plus grand. Parce que la femelle est plus grande. Ouais, ou alors peut-être que le Nidoqueen de Giovanni l'avait pris en taille mini. Non, alors, comme je te dis, ça se trouve, les femelles sont plus petites que les mâles. Ah, je pense pas. Dans le dessin animé, il m'aurait semblé qu'il était quand même assez grand, hein, comme Nidoqueen. Ah, il a la trouille. Ah ah ah. Mais arrête de paralyser toute ton équipe, toi, putain! Oh, tiens! J'aime pas ça, là. Oh! Mais t'es con, hein, toi aussi, là! Allez! Fais des choix! De toute façon, tu pars pas de là, t'en peux pas attaquer, alors, comme toi, hein. Alors, je mets 203. Oh, oui, il a le droit de sortir. 45. Oh, des beaux rêves. Alors, le seul truc chiant, c'est que tu n'as pas hypnose pour l'instant. Mais... Ouais. Par contre, une fois que tu auras hypnose, tu pourras faire la double. Et là, ça pourrait être pas mal. Ouais. Je le faisais à chaque fois sur un parti de personne. Oh mon dieu! Oh boy! C'est donnant! Mais quelle surprise! Bon, on va aller être occupé celui-là. Mais faut vraiment que je sorte sur les mêmes équipes là par contre. Hein. C'est la bête là. Hein. Parce que sinon, Koga, il va pas. Il va pas se priver. Non, c'est clair. Ah, quand même! Malgré le fait qu'il ait 6 niveaux de moins que toi, il endurait un tonnerre à moitié, quoi. Ouais. Il en plus. C'est quoi? Ah. Au revoir, Edgar! Ah bah oui, tu peux faire ce petit saut. Donc, pour revenir là où t'étais, il va falloir que tu retapes tout le tour. Oui, c'est pas grave, j'ai battu tout le monde. C'est pas comme si je devais les rebattre, parce que là, sinon c'est le chien qui se mord la queue, effectivement. Allez, dépêche-toi, tu crois que j'ai que ça à faire là? T'imagines si tu devais si tu sortais que tu devais à chaque fois les réaffronter. Là ce serait un bon challenge. Ouais c'est clair. Ce serait chiant mais ce serait un bon challenge. Ça serait un peu comme la ligue quoi, tu rentres et puis t'es coincé. Alors ils avaient fait un peu ça dans Soleil, quand tu commences une épreuve, tu ne peux pas la quitter. Ah ouais? D'accord. Ouais, si tu la quittes, tu recommences. Ça c'était pas mal. On aura quand même beau dire, mais les jeux Pokémon sont d'une simplicité. Extrême, sauf les ligues. Oh, les ligues. Les ligues, tu peux te faire violer très rapidement. Enfin, pas toutes encore, hein, mais la plupart, oui. Et...
et nous voici devant Fort Kuga. Bonjour ninja. Il a fait un attaque reflet. Tu oses me défier, moi, le grand, le beau, le terrible Koga? Le beau, quand même, comme toi, hein. Par le sang de mes ancêtres, je vais gagner! Prépare-toi à affronter mes terribles Pokémon poison. Je vais t'affronter à main nue, mais nous ne sommes pas dans un épisode de Dragon Ball Z. Je me suis trompé. Koga, le champion de battre. C'est vrai qu'il lui ressemble, un perso. Dragon Ball. Smogogo. Allez. Oh, Abri. Allez, c'est un connard. Oh, c'est un connard. Oh, ça m'énerve. Oui. Moi, du coup, je préfère quand même les TP, hein, alors. Bah, c'est clair. C'est un monde. C'est un peu moche. Allez, viens toi, vas-y. On va là où ce monde, là, il est plus là. Bon, le premier, c'est quoi? C'est trop. Tu veux pas augmenter le niveau, hein? Non, non, bah non, hein. C'est le même. Un gros tas de morts. Ce n'est pas étonnant. Ah, t'as bien fait. Là, je le sens devenir, ouais. Comme ça, là, il va faire son petit aussi, hein. J'avoue que je ne me serais pas attendu à voir un Pokémon faire ça, mais pourquoi pas. Non, moi non plus. J'aurais plutôt vu un Mélopée faire ça. Oui, pareil. Les deux. Bien. Niveau 43. Plus en vitesse. Oh, il est mort. Ah oui. Allez, un petit arbre. Nos sphéralco. Oh, mais j'ai bien fait d'envoyer la suite. Boum. Ouais, bah là, on a même pas eu le temps de comprendre ce qui est arrivé. Alors le dernier, ça va être quoi? Moi je dis Arbok. Ah non. Non mais ça c'est des Pokémon à bon expérience. Rappelle-toi. Je vais donner un petit rappel, non? Mais 44 en plus, c'est pas mal, hein. Alors, on va faire ça. Comme ça, il aura des points de talent. Hein. Je suis fait la brise. Oui, là, ça y est, je suis un petit. Allez, on va taper. Et voilà. Voilà, voilà. Ça a été le plus nul de des quatre, j'ai l'impression. Ah, Nosferalto, t'as pas fait long feu non plus, hein. Hein? Nosferalto, il a pas fait long feu non plus, hein. Non, mais des dresseurs champions d'arène. Si, on a eu la plante qui était encore plus nulle. Ouais. Mais en même temps, on avait je sais pas combien de niveaux d'avance. Oui, puis c'est plante. Voilà.
Mais je dirais que ce serait le deuxième plus nul. Ouais, c'est clair. Parce que là, on n'avait pas non plus des niveaux d'avance. Hein. Non. Mais mine de rien, Pierre et Ondine, au début, ils assuraient pas trop mal, hein, quand même. 60. Eh ben, t'as bien fait de t'arrêter avec Funa. Hein. Même ça, c'était pourri. Ouais, toxique, quoi. Au moins 400 ans, et oh, non mais, et. On a une quantité de PV de plus en plus importante à chaque tour. De quoi terroriser ses amis. Oh, je suis terrifiée, moi. Allez. Eh ben, c'était bien nul, hein. Le champion électrique était pas mauvais aussi. Ouais, électrique était bien. Du coup, on va reprendre Fauna. On va aller au centre Pokémon et à la prochaine arène qui est je ne sais où. Là où il y a le centre commercial. C'est la Bopole ? Soit là, soit celle à côté, je sais plus le nom. Non, c'est le commercial, c'est celle à Bopole. Bon, déjà une bonne chose de fait. Qu'est-ce qu'il y a? Comment savoir? En tout cas, la prochaine, c'est Morgan, le psy. Ça, c'est sûr, je m'en rappelle. Ouais. Alors, c'était une des villes du milieu, ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est celle pile au milieu ou celle à gauche? Donc moi j'hésite entre Safrania et Céladopole. C'est l'une des deux. Je m'en rappelle. Non, c'est Safrania. Ouais. Il y avait le dojo, tu te rappelles? Ah oui, ça doit être ça, ouais. Mais qu'est-ce que je fais? Attends, on va sortir de là parce que je vais pas vouloir que je vole. Mais c'était Psy, c'est ça? Ouais. De toute façon, entre les deux villes, il y avait qu'une petite route rapide, donc au pire des cas, si on s'est planté, ça va aller très vite. Et il me semble qu'elle était vers le haut. Ouais, c'est ça, bien l'ouège. Et on va aller voir. Hein. Oui, c'était juste à côté du dojo, c'est vers le haut. J'ai pas une capacité qui puisse endormir, hein, dans mes CT. Ah, ça serait pas mal. Ouais, ça serait bien, hein. Repos. Non, c'est toi qui t'endors là. Nul. Non, c'est toi qui t'endors, c'est pas le Pokémon ouais, adverse. Non, c'est Tu peux te faire des beaux rêves sur toi-même. Ouais, génial. Je suis pas sûr que ça m'aide beaucoup. Ouh. Alors, as-tu un Pokémon de niveau 45 ou plus? Montre-moi un et tu pourras passer. Oui. Mais il y en a qu'un qui ne l'est pas. C'est bien un Pokémon de niveau Rocky, tu peux donc passer sans souci. Va trouver Morgan, la championne de l'arène. Ok. Oh, génial, DTP. Ah bah oui, c'était dans la même ville que la Sif. Oh. Ah, tu as le choix. Oui, je suis droite. Hein. Ah, c'est, tu veux que ce soit... Ah, non, oui, non. Tu veux aller où? Gauche ou droite? Ah, tu me demandais? Moi j'irai à gauche. Ouais, bah, j'irai à droite. Nos pouvoirs occultes font-ils peur? Non, je n'ai pas peur, je veux juste plus voir de TP. Noé le kinésiste. Diamant. Un flagageux. Oh mon dieu. Il est très beau. J'adore.
tellement en avoir. Hein. Pas grand chose, je trouve. Mais si, regarde, j'ai déjà eu cette conversation. Oui, on l'aura encore jusqu'à ce que je change d'avis. Ok. Très bien. Tu l'as déglingué. Ah, complètement. J'ai des gâteaux qui aiment attaque ténèbres aussi. Sachant que Plagados il est haut, j'aurais mis Rage. Ouais. Bah, au moins ça me fait l'attaquer. Peut-être qu'on a des chantiers dans cette fin. Je m'y attends vraiment pas, quand même. Kadabra. Kadabra qui attend son dessert hein, puisqu'il a sa cuillère à la main. Oh oh, oh, c'est mieux. Ah, c'est mieux. c'est une perte de vie un peu plus acceptable. T'as pas l'air effrayé. Mais toi tu me fais peur mec. Lui il a l'air complètement blasé. On était venu de quel TP là? Celui-là. Mais je vais mal continuer avec mon Pokémon Spectre en moi. Merde, c'était pas celui-là. Non. Oh. Ah mais ça ramène au même endroit en fait. Ça veut dire gauche ou droite. On sait que c'est du dur. Ouais. En fait, que gauche ou droite ne servait strictement à rien. Mais c'est quoi sortir, c'est quoi Starlight de merde. Là, on arrive sur du nouveau. Hein. Celle-là, je l'avais pas faite. Hein. Ah oui, exact. Enfin. Ouais, ça y est, ouais. Je ne l'avais pas faite. Là, beaucoup plus vite. Trop grande cette ligne. Hein. À côté du Porygon que tu as délivré. Ouais. Oui, je veux que tu t'occupes de mon équipe. D'ailleurs, il y a une salle secrète. En haut de la sylph SARL, si tu veux y aller. Tu pouvais pas le dire avant, ça. Genre quand on y était, tu trouves pas que c'était une bonne idée? Non, non, mais je rigolais, en fait. T'es con. Je voulais voir si tu étais prête à y retourner ou pas. Oh non, 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 franchement, à moins qu'il y aurait eu un Mewtwo dedans, j'aurais pas été. Non, c'est mort, je suis traumatisée, je suis Même la tour Pokémon à côté se déroule. Ah ouais, franchement, je retourne à la tour Pokémon 10 fois s'il faut, mais attends, je vais plus, y aller moi. Du coup, on va sortir un autre Pokémon, j'aime bien être accompagné. Ah, mais on va sortir d'autres trucs, hein. Comme ça. La petite patate. Goofball. Goofball. Ah, une chance sur trois. T'irais où, toi? Moi, j'irai en bas à gauche. On va aller en bas. Je serais peut-être allé sur une autre plateforme avec un brasseur. Ouais. Morgane est une petite parvenue, mais je l'aime bien. Une petite parvenue? En gros, c'est... elle est spéciale, quoi. Ah. Elle... Non mais dans une meuf, c'est un petit peu... Tu préfères en noir? Il est immense tout court en fait. C'est dégueulasse. Oh mais c'est pas vrai, t'arrives pas à tirer le Pokémon 6, sérieux? Oh! Oui, il défonce par contre. Bon bah, c'est comme tu feras pas la reine, c'est trop nul. Je suis pas possible d'être mis à ce point.
sur toi, moi. Heureusement que je ne l'ai pas. Voilà. Ça, c'est des trophées. Je suis nul! Non, t'es pas nul, c'est un Pokémon qui est nul. Non, mais qui c'est qu'il y a d'autre là qui peut avoir des Pokémon, des attaques ténèbres là? Parce que lui il est mort, mais il est mort. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, ce sera les départs. On a personne d'autre, donc ben voilà. En plus, ça tombe bien et c'est pas le plus en avant. Droite ou gauche? Moi j'irai en bas. Ah ben, moi je serais arrivé là tout à l'heure. Pourquoi? Moi je sais pas. Mais tu sais pas, donc voilà. Je suis sûr que ça va ramener au téléporteur que je voulais prendre tout à l'heure. Pas tout le temps. Emmy l'exorciste. Emmy. Ah bah t'es un spectre. Moi je choisis pas d'attaque, je pourrais découvrir. Là c'est 45. 45 là, il y a 5 minutes de plus. Autre spectrum. Ça t'a pris lui. Donc le spectrum il aime pas au snow. Ah ouais? C'est un peu plus, t'es sérieux? Bah. Ah bah oui, c'est bon, on a eu du one shot tout à l'heure. Merci Caro de te faire oublier. Je n'ai qu'attentif. Sinon, tu veux que je te fasse un café et tu sirotes tranquillement tant que je joue? Eh ben pourquoi pas? Mais pourquoi ça? Eh ben non. C'est de force! Tu as causé ma perte! On vient d'où, nous? Là, mais... oui. C'est où, toi? Moi, j'ai en bas, à gauche. On est en bas, là. Et voilà. On est revenu, là. Ah. Certes. On est où, du coup? Ouais, je sais rien, moi. Mais comment ça, t'en sais rien? Tu te rappelles plus d'où on vient? Non. On a fait pris lequel, ici? Je sais plus. Oh, que tu fais toujours le contraire de ce que je fais moi. Oh non, va tourner la roue. Ah voilà, moi c'est celui que je voulais prendre la dernière fois. Ouais, mais déjà, ça nous ramène ici. Et bah mais. Prends-le. Mais non. Ah oui, c'est celui que je voulais prendre tout à l'heure. Oh non. Je suis en train de tout faire là. Ouais, c'est plus. Tu vas revenir au milieu, ouais. Retourne-y. Ah ben non. TP du la plateforme du milieu qu'il faut prendre alors. Là il y en a 4. On les a déjà tous fait là. Hein. Tu crois? Oui. On a fait en bas à gauche. Ouais.
Il y a même pas un truc à essayer ou quoi, rien. Hein. J'ai tapé à la con, hein. Déjà les deux du bas, c'est foutu. Tu crois? Non, ça ne donne rien. On essaye celui juste à ta droite. D'accord. Les deux d'en bas, ça sert à rien, ça nous ramène à la première plateforme. Ok, ça c'était utile. C'était pour sortir. Bon, écoute, on va en profiter. Oh, je sens que ça va être horrible. Ah, les TP. Je déteste déjà cette arène. Ça me gave. Puis je vois bien, tu sais, le mec est mal à la tête avec ses TP. Qui ose m'affronter aujourd'hui? On est où? C'est pour ça qu'elle est championne d'arène. Non, personne ne l'a battue parce que tout le monde avait mal à la tête en fait. Ou alors personne n'a réussi à l'atteindre. Aussi. Genre... Personne ne sera maître de la ligue parce que personne ne m'atteindra. Et vous ne pouvez pas aller à la ligue si vous n'avez pas mon badge. Même si vous battez les deux suivants, ils vous en encarrent. Je suis une connasse. C'est pour ça que j'ai fait mon badge en un seul exemplaire. Comme ça, il est à moi. À moi. Que à moi. Oh non, mais sérieux, quoi, des TP, quoi. Tu l'aimes bien cette ville, non? Non, je la déteste. Je la déteste, je la déteste, je préfère l'avant-ville. Oh bah dis donc. D'ailleurs, je pense qu'on y retournera juste pour le fun. Voilà, parce que l'avant-ville, c'est fun. Donc, tu mets pas, toi. Bon, là, on a toujours ici. Alors, en faisant en haut ou en bas, normalement, ça change rien. On va toujours sur la plateforme avec lui. Là, si tu prends celui-là, tu retournes sur l'autre, celle d'où on vient, mais sur l'autre téléporteur. Donc là, t'as pas le choix, c'est ici. Jusque-là, tout va bien. Toute sa merde. Ici, de toute façon, les trois vont soit sur une plateforme de gauche ou de droite. C'est pas d'ici qu'on va avancer en tout cas, ça c'est sûr. On a déjà fait plus d'autres TP sur les autres plateformes. Donc là on a le choix. Bon, ben non, on va plus trop sur rien en arrière. Moi je savais, c'est pour ça qu'on est meilleur. Je pense pas qu'il soit aussi fourbe. Il y en avait combien ici? 3 ou 4? Bon. Celui-là, ouais, en bas là. Ben voilà. C'était le seul qu'on n'avait pas fait. Alors en haut ou en bas? Moi j'irai en bas. Oh! Incroyable. Oh, j'ai... Non, c'est la question que j'ai mis. Hein? Ah non, non, tu as mis... Négateur, hein? Ouais. Ouais. Prospère! Ou un cadavre. Un cadavre. Ouais. Tu veux, c'est un fini, c'est vrai. Au revoir, cadavrouille. Envoyez-nous un Alakazam, on voudrait bien en voir. Hein. Ouais, c'est clair, c'est cool. Oh. Pourquoi c'est toujours les mêmes? Ils
Zéro intérêt, Prosper. Merci d'être passé. C'est ça. J'espère au moins que t'as du fric, parce que franchement, sinon, ça sert vraiment à rien. Oups, j'ai rien capté. Ouais, 4002 quand même, ça va. Ça va, ça va. Viens de la nuit. Oui. Moi, j'y vais en bas à droite. Vois-tu, Alfie? Non. Mais... comment? Toi, moi, le Pokémon, fan. Plus tout ce qu'il en veut. Plus lui, plus elle. Et tous ceux qui sont seuls. Allez, Elisabeth. Respectons. Il est bientôt rentré dans la danse. Je survis à Ossatuaire, ce sera mon jour de chance. Toxique! Oh, mais direct. La meuf qui change de comportement, tu sais. Et c'est comme ça que ça va se passer. Toxique! Là, voilà. Oui, allez, j'ai vu qu'il était KO. Merci. Ectoplasma. On veut Ectoplasma. Non, c'est trop. Au moins, ça rapporte. Oui. Mais attends, mais oui, si t'as des fantômes nus, je gagnerais même pas 60. Oui, c'est pas vrai. Oui, non, je vais descendre le nez. Je suis désolé, hein, ça tue en fait. Au moment où il faut faire un choix. Tue-le, tue-le. Bien parce qu'il nous dit d'avoir des Pokémon niveau 45 minimum, eux ils sont à 40. Ouais, c'est clair. Oh, en fait, tu vois, le jeu, il veut te donner de l'avance déjà, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu dommage. Piu, voilà. J'ai perdu. Petite ossature parce que je ne sors pas de cet endroit. Sauf si c'est par erreur, mais. Déjà un antidote. Voilà. Alors, tirez où? Maintenant je vais tuer. Hein, mais... en haut à gauche. À gauche, je sais pas. Non, il m'a pas vu. On l'a pas fait lui. Non. Ah bah voilà. Putain, tu vas oh direct. Hein. Oh, oh. Du coup, tu fais pas l'autre. Hein? Du coup, tu fais pas l'autre. Non. D'accord. Tant pis, il est nul, il est moche. Vous avez vu? Je suis arrivé. Coucou. Et eux, ils là attendent tous ici. Je suis là. T'as vu? Je suis arrivé, connasse. T'as vu quand même que dès que t'as suivi mes indications, t'y arrivais de suite. Hein, hein, hein. Non mais c'est important de le souligner quand même, hein, parce que t'as fait tous les choix contraires au début. Et ben c'était peau de banane, voilà. Et tu vois là, enfin, j'avais prédit ton arrivée. J'ai des pouvoirs psychiques depuis l'enfance, vois-tu. J'ai appris à plier des cuillères par la force de l'esprit. C'est pas super utile, mais ça en jette. Non, ça sert à rien, mais ouais. Je n'aime pas les combats, mais si tu insistes, je vais te montrer mes pouvoirs. T'aimes pas les combats, c'est fantôme. Ah ouais, en fait, vraiment, les TP, ouais, c'était pour pas qu'on atteigne, quoi. C'est ça. Et on me s'est bien marré au début. On l'a chié. Un monsieur Mime. Ah, bon, c'est original. C'est cool.
vraiment ça change. C'est moche, mais ça change. N'empêche, tout le monde rêverait d'avoir un autre mime comme celui du dessin. Ah, ça c'est clair. Oh, capacité physique. Cet oxygène n'était pas assez pur. Je l'ai nettoyé. Et résiste mon grand là, tout le haut. Ça va le faire. Ouh. Allez, un demain. Legados. On va garder le Legator avec son machine, c'est important. Là, tu as fait le bon choix. Ouais, ouais. Il faut économiser la chouille, hein. C'est le seul qu'on a, donc... Ça va être l'attente d'avoir le choix d'être. Mais si... Ah, tu vas t'endormir un petit peu. Le deuxième tour. Ouais. C'est juste que je n'ai pas confirmé, c'est bon. Et le reflux est rapide, donc ça passe. Ouf, juste à temps. Il me reste deux. Ah, protection, on a plus d'effet, c'est bon ça. On a l'écoute. Il me faisait peur, parce que même quand j'étais gagné. Je sais pas, je trouvais tellement bizarre en fait. T'avais peur des gros bisous? Non, non, je le voyais vraiment pas comme ça, mais je faisais vraiment flipper. C'est pas, mais regardez, il était flippé. Et en plus, si je sais pas, il peut t'enlever ou quoi, je sais pas. Et enfin, le dernier. 50. Il est ah, enfin ah. Il était temps qu'on ait le badge là. Ah bah non, mais non, on a eu le badge. Après, tu vois, j'avais pas vu Lipoutou, mais j'avais pas vu Lipoutou. Mais Lipoutou, je sais pas. Ah, il est pas là, ça me sort avec un Zan niveau 44 qui fait démonter la gueule de truc. Je pensais pas que ça allait être aussi efficace. Hein. Hydro-canon. Oh, c'est bon ça. Alors, du coup, on a 80, 100 ou 110-80. Alors, entre cascade ou ébullition, c'est les deux mêmes au final. Oui, mais ébullition, ça peut durer, donc on va garder ébullition plutôt. Oui, et puis vu que c'est pas une CS, mais en fait, comme ça, tu peux le virer. Ouais, c'est ça. Ah, niveau 44, bien. Rattrape ton retard. Tu as gagné, quelle surprise. Enfin, c'est vrai que je n'ai pas fait de mon mieux. Oh. Tu mérites la victoire. Non, mais là, t'es en train de dire que j'ai gagné parce qu'elle était pas bonne, quoi. Ouais, c'est ça. Mais quelle connasse. En fait, tu es complètement nul. Aussi, le badge marais, tu l'as bien mérité. Bon, bah voilà, deux badges en un épisode, c'est pas beau, ça? Mais c'est clair que ça rattrape pas mal de choses. Jusqu'au niveau 70. Tranquille. Plénitude. Oh, c'est mieux ça. Mais vous pouvez pas me donner quelque chose d'autre là. Sinon pour augmenter son attaque spéciale. Wow. Défense spéciale en combat. Il faut juste cultiver ses dons. Comment on sort de là? Oh non, putain. Là. Vas-y, essayez l'autre là. Non, c'est l'autre droite qui fait rien. Mais non, mais justement, oui. Ah bah c'est ça. Oh, oh, laissez-moi partir. Je veux plus jamais la voir, je veux plus jamais la voir. Voilà. C'est bon, on a sauvegardé, on est sauvé. Maintenant tout peut planter, c'est pas grave, on l'a fait.
Et en plus, on est à l'heure de jeu. Voilà, c'est donc parfait. Donc il nous reste deux badges. Il nous reste le badge flamme, c'est sûr. Flamme. Le badge feu, si je préfère. Et le dernier, je sais pas. Ah bah c'est... Ah bah oui, c'est... je sais qui c'est. C'est Jadiel. Bah je l'avais dit d'ailleurs, c'est peut-être lui. C'est Giovanni. Ah oui. Bah, je pense hein, que c'est ça, hein, mais, sauf s'ils ont changé par rapport à la version jaune. Mais... Et puis lui, du coup, c'est... je sais plus quel type de Pokémon c'est, lui. Hein. Non, c'est pas normal. Normal, ça me paraît très chaud quand même pour une arène, la 8ème arène. Ouais, il a Nidoqueen, il a Persian. Ah, quoique. Peut-être ça correspond que c'est ça. Bien, hein. Ouais. Ouais. Ou ouais. Ténèbres. Peut-être. Non, je pense. Ouais, c'est bizarre, faut voir. Ténèbres, peut-être. Bah, écoute, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 7ème badge, ce sera un type feu, ça c'est certain. Ah, c'est cool. Je me rappelle du combat dans le dessin animé Dracofeu Magmar, en fait. Ouais. Je crois que c'est celui qui m'a le plus marqué de toute la série. Nous, on fera pas ça, hein. On n'est pas teuteux, on va pas envoyer Dracofeu sur un Pokémon jeu. Hein. Mais n'empêche que le combat était méga badass. Ouais, le combat était génial, mais nous, on n'est pas Sacha. Nous, on peut pas se permettre d'envoyer un Dracofeu contre un type feu, ça fait juste rien. Ou tu n'es pas Pierre, tu ne fermes pas les yeux. Non, voilà. C'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, on espère que cet épisode bourré d'action vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et nous, on se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Pokémon Let's Go Evoli. Salut à tous! Salut tout le monde!